On est de retour de l'autre côté de la pause. On poursuit notre mission. Notre mission, c'est vous présenter la meilleure musique à Vibration Magnifique. Vibration Magnifique vous présente ce soir la chansonnette française. On va entendre maintenant La Source avec Isabelle Aubrin. À Radio Étoile du Nord, Saint-Jérôme. Chante au milieu du bois la source, et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on trouva. Elle était blonde, elle était douce, elle aimait à se reposer dans le bois couché sur la mousse, écoutant les oiseaux chanter. Un jour qu'elle allait à la ville, par le bois où elle passait, elle vit soudain immobile trois hommes qui la regardaient. Trois hommes qui la regardaient. Elle chante au milieu du bois la source, et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. Là, trois à l'attendre, trois hommes loups, cette brebis. Elle avait la chair bien trop tendre, ils avaient bien trop d'appétit. Elle ne savait pas défendre le souffle léger de sa vie. Elle tomba sur l'herbe tendre comme un oiseau tombe du nid. Elle chante au milieu du bois la source, et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. Quand on l'a soulevée de terre comme une grande fleur coupée, sa robe blanche et la lumière, on aurait dit une mariée. Soulevée de terre, on aurait dit comme un grand lit. Entre les feuilles, entre les pierres, une claire source a jailli. Une claire source a jailli. Elle chante au milieu du bois la source, et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on trouva. Croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. C'était La Source avec Isabelle Aubrin. Maintenant, on va vous faire entendre Philippe Préjean. Lui nous dit « C'est beau, c'est bon, c'est chaud ». Philippe Préjean à Radio Étoile. Les oiseaux sur les Champs-Élysées font des discours aux gens qui ne sont pas pressés. La moindre ruelle prend des airs de Méditerranée. C'est beau, c'est bon, c'est chaud. Y a du soleil dans mon jardin. Y a du soleil chez mon voisin. C'est une étoile qui fait du bien. Sur la grande place, on s'entasse dans chaque bistrot. C'est beau, c'est bon, c'est chaud. Y a du soleil dans mon jardin. Y a du soleil chez mon voisin. C'est une étoile qui fait du bien. On s'arrête quelque part pour boire un demi.
en chapeau fleuri. C'est beau, c'est bon, c'est chaud. Y a du soleil dans mon jardin. Y a du soleil chez mon voisin. Et tu les vois. Philippe Péjean, y a du soleil. Maintenant, on va entendre Enrico Macias. Lui, nous dit « C'était le bon temps ». Enrico Macias. Radio Étoile du Nord, Saint-Jérôme. Bonne soirée. Perdu dans la grande ville, la vie nous semblait facile. On n'avait rien, mais on était content. C'était le bon temps. Dans une chambre sixième, on vivait notre bohème. L'espoir au cœur et puis la fleur aux dents. C'était le bon temps. Main dans la main, on prenait la vie sans penser au lendemain. On avait l'âge où le rêve est permis, malgré la pluie du matin. Entre murs pour un palace, quelques photos, une glace, une table, un lit et deux chaises en bois blanc, c'était le bon temps. Toujours le jour. Et si nous sommes encore là aujourd'hui, c'est bien grâce à notre amour. Du samedi soir au dimanche, c'était pour nous la nuit blanche. On s'amusait avec bien peu d'argent. C'était le bon temps. Comme on était en confiance, comme on aimait l'existence. On a fini par avoir un enfant, c'était le bon temps. C'était le bon temps. Enrico Macias, ce qu'on a entendu. Maintenant, on va écouter Marie Laforêt. Elle nous dit « Viens, viens ». C'est une prière, viens, viens, pas pour mon père, viens, viens, reviens pour ma mère, viens, viens, elle meurt de toi, viens, viens, que tout recommence, viens, viens, sans toi l'existence, viens, viens. N'est qu'un long silence, viens, viens, qui n'en finit pas. Je sais bien qu'elle est jolie, cette fille, que pour elle, tu en oublies ta famille. Je ne suis pas venu te juger, mais pour te ramener. Il paraît que ton amour tient ton âme. Crois-tu que ça vaut l'amour de ta femme qui a su partager ton destin sans te lâcher la main? Oh, viens, viens, maman, en septembre, viens, viens, repeins la chambre, viens, viens, comme avant, semble, viens, viens. Vous y dormirez, oh, viens, viens, c'est une prière, viens, viens, pas pour moi mon père, viens, viens, reviens pour ma mère, viens, viens, elle meurt de toi. Sais-tu que Jean est rentré à l'école? Il sait déjà l'alphabet, il est drôle. Et quand il fait semblant de fumer, c'est vraiment ton portrait.
Marie Laforêt et viens, viens. On va écouter une petite dernière avec cette fois-ci Félix Leclerc. Lui, il nous dit le petit bonheur. À Radio Étoile du Nord, Saint-Jérôme. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le banc d'un foncé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier. Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens tendre dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié. Ma vie de désœuvré, j'avais dégoût de la recommencer. Quand il pleuvait dehors, mes amis me faisaient des peines. Je prenais mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi ma reine. Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons, c'était le paradis, ça se voyait sur mon front. Or un matin joli, je sifflais ce refrain, mon bonheur est parti, sans me donner la main. J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes, lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur. Il s'en allait toujours, la tête haute, sans joie, sans haine, comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure. J'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui. J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli, il me restait le mépris. Enfin que je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles. Et je bats la semelle dans des pays de malheureux. Aujourd'hui quand je vois une fontaine ou une fille, je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Voilà, c'est ainsi que se termine la première partie de cette émission Vibration magnifique. À l'antenne de Radio Étoile du Nord Saint-Jérôme, c'est Michel Langlois qui vous a parlé. On revient un petit peu plus tard pour poursuivre la deuxième partie de cette émission. Au revoir et à plus tard.